Alors, vous êtes un fidèle du Festival des cinématographiques d'automne de Gardanne. Eh bien, écoutez, ça fait au moins 10 ans que nous venons en famille assister au festival. Et au fil du temps, c'est devenu une priorité. C'est-à-dire que c'est une période sacrée pour nous, où nous évitons de partir, de prendre des vacances, etc., pour venir au Festival de Gardanne. Vous habitez Gardanne ? À côté, à Luynes, mais c'est un quart d'heure en voiture. Alors, qu'est-ce qui fait que vous retrouvez dans la programmation de ce festival ? Alors, bon, d'abord, rendons hommage à la programmatrice, Madame Join, qui a des programmations et j'imagine un carnet d'adresses long comme le bras pour avoir les films qu'elle a ici, notamment en avant-première. Cette année, je crois que c'est 14 films en avant-première. C'est 16 ou 18. Ah ben voilà, j'étais encore en dessous de la vérité. Et ça, il faut dire que c'est assez excitant aussi de voir des films qui vont se dérouler ensuite tout au long de l'année prochaine. Vous étiez à l'ouverture du festival ? Pas aux 25 ans, non. Non, pas aux 25 ans. Mais quand je dis 15 ans, je pense que je suis en dessous de la vérité. Alors, quels sont les films que vous avez vus ici qui ont pu marquer votre mémoire de cinéphile ? Alors, soyons clairs. Ce que j'aime beaucoup dans la programmation de Régine Join, d'abord, c'est son éclectisme. C'est-à-dire, c'est des films du monde entier. Aussi bien d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, de l'Est, on a vu de très beaux films de l'Est, enfin, etc. Donc il y a ça. Des films qu'on voit rarement en salle courante, parce qu'effectivement, ils sont plus en règle générale, pas tous, ils sont plus dans les circuits cinéma d'art et d'essai qu'ailleurs. Donc j'estime que pour Gardanne, et c'est pas péjoratif, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et dernier avantage pour nous, c'est que, je parle de la famille, ça nous rappelle quand même quand nous étions dans une autre vie un peu plus jeune, des cinéphiles avertis et où on passait toute la journée au cinéma pour voir 5-6 films de suite. Et ça, c'est très précieux. Et là, cette année, vous avez prévu d'en voir combien ? 42. Avez déjà votre... Ah oui, mais depuis quelques années, oui, depuis qu'on est disponible. Pendant les 12 jours. Mais tout simplement parce que ceux qu'on a exclus, ce sont soit des films que nous avons déjà vus, je pense aux Okusai, et puis disons les films juniors sur lesquels on n'est pas trop porté, il faut le dire. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, on vous souhaite un bon festival aussi, un bon 25e anniversaire. Mais il sera bon. Et encore merci, et à la ville de Gardanne et à Régine Join. Merci beaucoup. Au revoir. Ne partez pas avec le micro. Viviane, vous êtes aussi une fidèle des rencontres cinématographiques de Gardanne. Ça fait combien d'années que vous venez ? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, oui. Alors pourquoi vous venez et vous revenez ? Eh bien parce que j'ai le plaisir de voir des films en avant-première et je trouve que la sélection elle est vraiment extraordinaire et je suis contente de les voir, tout simplement. Est-ce que vous renseignez avant de savoir quels sont les films que vous allez voir ? Oui, je prends le programme, je regarde, je sélectionne, mais la sélection qui est faite déjà, elle est pas mal. Vous comptez voir combien de films ? Déjà, je disais à mon mari tout à l'heure, il faut que je les voie tous. Ah, alors ça veut dire que vous avez pris un abonnement ? Je vais le prendre. Oui. J'ai ma carte et je vais la recharger. Ça veut dire que vous voulez voir presque une trentaine de films ? Oh, peut-être pas, parce que on se rappelle plus et c'est pas génial non plus. Parce que ce qui est important, c'est d'en tirer un profit. Qu'est-ce que vous préférez dans la programmation ? Quels sont les films vers lesquels vous orientez en priorité ? Quel pays ? En principe, les films européens, mais j'ai regardé tous les résumés des films. Alors du coup, j'ai envie d'aller en Thaïlande, j'ai envie d'aller en Argentine. Tous les films me plaisent, tous. Et vous venez d'où ? De Gardanne. De Gardanne ? À côté. Ah, vous êtes contente d'avoir un tel festival ? Ah là là, c'est génial. Franchement, il faut qu'il perdure. Je crois qu'il est bien parti. Ah bah tant mieux, super, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, merci beaucoup. Ah bah c'est moi. Merci.